images qui vont suivre peuvent être très perturbantes. Vous allez voir sur l'écran les images qui ont été réellement enregistrées. Et ensuite, vous verrez les comédiens jouer les scènes qu'on n'a pas pu filmer parce qu'on avait trop peur pour rester filmé. C'est pas clair, pas en tout, mais c'est pas grave. Parce que ça permet de mettre une ambiance effrayante. Rappelons que tout ce qui va vous être montré provient de faits réellement réels et vraiment vrais. Tout a commencé le 7 mars 2000. À cette époque, la famille Force Kahn venait d'emménager dans une... We really did a great thing when we decided to buy this house. Yes, honey. We really symbolized the perfect American family. And we're gonna be so happy here. I won't be able to see my friends anymore and start becoming a rebellious and delinquent teenager under the appearance of a Tamil girl. I'm so disappointed that I want to make some rebellious faces like this and this. Anyways, you didn't have any friend back when we used to live. Mommy, I hate this house. It's very scary. Yeah, you're kind of right. There's some sort of evil or negative energy in this house. What an amazing vocabulary I have for a 6-year-old kid. But I'm pretty sure our parents won't take us seriously when we'll tell them what we think. Anyway, what are you saying, little Brendan? That there's an evil and negative energy around here? That's very good, Brendan. You have such a great vocabulary. But we won't take you seriously. No, we won't. Even if the plants are dying one after another. And even if the cats just committed suicide, right? Those are just some coincidences, like the thunder punctuating all of our senses. And what do you think about the fact that the carpet is moving? Pour continuer à interpréter ce qui s'est passé vraiment pour de vrai, nous avons choisi des comédiens dont l'apparence ressemble aux personnes ayant réellement existé, qui sont dans le foutage des images réelles qui sont vraies. Est-ce que je vous ai expliqué que tout ça était vrai? Le tapis bouge seul! Ce tapis est possédé! Mais non, les enfants! Il y a sûrement une explication logique à tous ces phénomènes surprenants! Oui, restons sceptiques! Ouais. Il ne faut pas croire les rumeurs! Mais c'est bonne rumeur! Puisqu'on le voit qui bouge tout seul! Mais non! Une rumeur, ce serait si l'on commençait à répéter quelque chose qui aurait l'air d'être vrai. Est-ce que tu es en train de nous réciter la définition du mot rumeur? Eh ben oui. Pourquoi? Mais Brendan a raison! Il faut qu'on s'arrête à toute vitesse! Sur le bord! Mourir. Et si on farçait dans le tapis? On dirait effectivement que ce tapis est possédé. C'est un cas classique de possession. Ce tapis est possédé par une entité malfaisante. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il faudra appeler un exorciste. Un exorciste pour tapis? Oui, appelons le maître. Allô, monsieur, l'exorcisateur. Zeur! Quoi, Zeur? Ben, disais à ma sœur que c'était Zeur. Ta sœur, c'est Zeur? Non, c'est pas ça! On dit exorciseur, pas zateur! Ah. Allô, monsieur? Oui,
trésor en tout genre, j'y compte. Bonjour, monsieur. Alors, ce serait pour faire exorciser un tapis. Oh, un exorcisme de tapis. C'est grave, mais c'est ma spécialité. J'arrive. Oh. 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 Vous avez fait vite. Non, c'est une convention théâtrale. Mais là, ce n'est pas du théâtre, puisque... Tout ce que vous allez voir est vraiment arrivé pour le vrai. C'est vrai. Versus... Vade retro... Tutti conti... Tutti frutti... Sparamus! Sparamus! C'est plus grave que je ne croyais. Le tapis est popo. Et popo. Possédé? Oui, bon, ça, on le savait. Non, non, il est surtout popo. Potentiellement démoniaque. Oui, mais surtout poussiéreux. Oh. Et ça, je ne peux pas supporter. Je suis allergique. Poussiéreux. Poussiéreux. Nous avons les images de ce qui s'est passé ensuite, et je préfère vous prévenir que ces images sont très choquantes. Ici Norma Bratouette, écoutez-moi bien, habituellement je fais des blagues, et là je suis extrêmement sérieux. On a pensé que c'était une blague, on a pensé que c'était un canular, mais maintenant, je tiens à vous le dire, il y a des blessés. Réellement, il y a des blessés. Il y a des tapis possédés. Des tapis possédés, je le répète, qui sont extrêmement dangereux, mesdames et messieurs, qui s'attaquent aux gens. Je le sais, il y en a partout, ici à l'extérieur du studio, extrêmement dangereux. Si jamais vous rencontrez un de ces tapis possédés, je vous en prie au nom de Dieu, barricadez-vous dans vos maisons. Votre vie en dépend. Les tapis sont possédés. Allez, voilà, je viens de le voir. Ah, c'est pas beau à voir, il est tout rouge, il est tout gros, il grogne. Allez, voilà. Il est derrière moi. Jusqu'à... Checking what we have on film. Maybe we'll figure out what's going on. Oh my god, it's awful. There are hundreds of them with him. What are you saying? Show me.